Avec Malik Merad, qui nous fait le privilège d'accompagner aujourd'hui Yanis Gamouri, qui a fait une belle prestation. Une sacrée prestation même, je dirais. Avec, pour faire une prestation comme ça, il faut être deux, avec son adversaire Emin Ayoub, dont on va en entendre parler, c'est sûr. Ils ont fait un sacré combat, franchement, rien à dire. Décision partagée. Pour moi, c'est mérité que Yanis gagne, mais l'autre, il a vraiment pas démérité, c'était un sacré combat. Oui, vraiment un fantastique combat qui a réglé la tendance. Il y avait des tentatives de clé, des coups, enfin c'est... Ils ont tout essayé. Étranglement, ground and pound, back fist, ils ont tout fait. Et un Yanis qui ne lâche rien. Qui lâche rien jusqu'à la dernière... jusqu'à l'étourdissement, il lâche rien. En sang, il lâche rien, il avance. Franchement, je suis fier de lui. Tu peux, hein, parce que vraiment, c'est actuellement le meilleur combat de la soirée. Une belle prestation. Est-ce que il va bientôt recombattre? Parce que tout à l'heure, il m'a dit qu'il n'y avait pas encore d'issue tout de suite, mais... Bah, bien sûr qu'il va recombattre. Après, pour savoir la date, on ne sait pas. Là, il a fini ses trois. Il a fait 4 combats cette année, 4 victoires. Donc, il va se reposer un petit peu. Et après, il va repartir pour de plus belle. Alors, une question, parce que le 31 janvier, tu es annoncé sur le show de Hatch face à Zoumana Cissé. Voilà, c'est ça. Enfin. Enfin. Enfin, on va se rencontrer, moi et lui. Depuis, ça faisait longtemps qu'on se cherchait. Donc, il va falloir qu'on se trouve au bout d'un moment. On va pas passer notre temps à se chercher à travers les réseaux sociaux. Oui. Et en plus, beaucoup de fair-play entre vous deux. Voilà, j'ai rien contre lui. C'est sportif. C'est vraiment une bonne personne. Mais sportivement, c'est une personne que j'ai envie d'affronter. Enfin, on a envie de se tester l'un l'autre, on va voir ça. Et un prémisse au fameux tournoi. Voilà, c'est ça aussi. Un avant-goût, quoi. Ah bah en tout cas, en 2015, grosse actualité pour toi, alors. Voilà, c'est ça, ouais. Avec sûrement aussi une échéance au Bellator. Donc, oui. On va s'entraîner pour, de toute façon. Bah écoute, nous on espère te revoir très vite parce que vraiment t'es un bon fighter et un guerrier des rings. Merci Fred, hein, ça fait plaisir. Et tant que des gens comme toi ils me soutiennent, ça me booste. Bah on te soutient parce que vraiment tu le mérites, t'es vraiment très très bon et tu nous offres chaque fois un spectacle et tu t'engages à fond. Merci. Comme d'ailleurs ton soldat du jour, Yanis. Voilà, c'est la même école. Comme Yacine Bandoui, comme Sofiane Benchora, comme Jean Bagal. Dès qu'on monte sur le ring, c'est pour s'investir au max. Et si on perd, bah, c'est qu'on est tombé sur un os, hein. Il n'y a pas de doute. Ben, bravo à toi et à ton équipe, parce que merci, vraiment, belle prestation. Pas de soucis. Et à très bientôt, Malik. Allez, Fred, à plus. À plus.